Coucou tout le monde, donc j'ai dans ma tête un peu détruite. J'étais dans le vent, dehors. J'étais faire des achats, comme je vous l'ai dit. Donc ma mère, au lieu de m'acheter deux trucs, elle m'a acheté trois trucs. Je suis trop heureuse parce qu'il y avait un truc que je savais pas payer, c'était un peu trop cher. Et de l'article que je voulais, c'était moins cher que l'article là. Donc voilà. Le premier truc c'est de longs gants blonds entretien conservé des sabots souples et brillants. Donc voilà. Donc c'est du blond. Oui, j'ai déjà touché. En fait, il est tombé plusieurs fois. Enfin, deux fois, il est tombé. Et il y avait des fissures. Mais tant pis, Vincent, on va l'utiliser quand même. Et je le mettrai un peu plus beau quand même. Parce que ça a coulé un peu. Il a foulé. Mais ils sont juste trop bons. Si vous n'avez pas vu mon tag de hier, j'ai inventé un tag et je tag tous ceux qui font l'équitation pour reprévenir. Donc voilà. Et j'ai pas de cheval. Hein. Et c'est du 100 ml. Ce qui fait 0,5 litres. Je suis trop heureuse parce que j'en voulais. En fait, je voulais de longues en noir. Oui, voilà, de longues en noir. Et ça fait noir, mais je voulais ça, mais après je me suis dit non. Parce que si on peut pas, au moins longue en blanc, ça se voit moins. Si c'est brillant, oui, mais ça se voit moins que longue en noir. Et j'ai payé 5,95€ pour mes achats. Puis je me suis pris, attaché avec, un pinceau avec le capuchon rose fluo. Si vous l'avez, vous savez c'est quoi la couleur. Donc voilà, il y a le plastique. Je vais pas le déballer parce que je dois attendre mercredi prochain pour faire cours. Donc voilà. Et ça, je l'ai payé dans les... Là, ils mettent C. Mais c'est en fait, c'est le prix C. Mais je sais plus c'est quoi. C'est 2€. Vous allez voir sur le site Decathlon et voilà. Voilà, vous allez voir tout simplement sur Decathlon. Donc, j'ai acheté une brosse à sabots. Celle-là, chaque fois que je regarde des vidéos, les filles en ont. Et à ce qui paraît, elle est super bien. Elle brosse bien et tout. Donc voilà. Je me suis pris en bleu pour compléter ma série. J'ai peut-être un curpi avec une brosse, mais comme ça, je pourrais l'essayer pour brosser devant. Parce que la petite brosse d'un curpi, c'est pas trop génial non plus. Hein. Il n'enlève pas tout et tout. Donc voilà. Et le dernier truc que je suis fan, donc je l'ai payé 2€ quelque, je crois. Je suis pas sûre. Et le troisième truc, le quatrième truc, c'est un gant de massage, comme vous l'avez dit. Celui-là, je le voulais depuis longtemps, mais j'avais pas les moyens de le payer, même s'il est pas cher. Il a 4,95€. Donc voilà. Mais sur nous, ça fait mal. Si vous n'avez pas capté, moi je viens de capter. Ici on ne sait pas passer notre main parce qu'il y a des trucs qui bloquent. En fait, je crois que c'est. Ici c'est pour les mains des grands. Et ici c'est pour par exemple les petits qui font l'équitation. Ils savent passer leurs mains ici, hein. Facilement. Ou alors on sait passer nos mains. Comme ça, c'est bon. Voilà. Et donc il y a des boules d'un côté, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boules du côté là. Et là il y a des pics, mais je vais pas les compter. Comment ça les compter les pics?
qu'on s'en fout un peu. Donc les billes. En fait j'ai essayé les bouts sur moi. Ça fait pas. C'est pas sur la tête, mais ça fait du bien, mais ça fera plus du bien aux chevaux qu'à nous. Hein. Donc voilà. Pour les achats que j'ai fait. 80 gags. Non, okay. Pour les achats de ma mère. Ma mère m'a payé tout d'abord, c'était l'achat que je pouvais pas me payer. C'est des chaussettes. Je voulais des chaussettes à la base bleues à 2 € et quelques, mais il n'y avait qu'une paire. Quand je suis arrivée, il n'y avait plus de paire. Enfin, il n'y avait plus la paire. Il n'y en avait plus du tout. Donc j'ai dû prendre ceux à 9,95 €. Enfin, ma mère a dû. Je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Elle voulait bien les payer. Donc c'est du 35 à 38. 35 à 38. Donc voilà, je les trouve trop belles. Il y a mon papy tantôt. Donc, je suis désolée. Ceux-là, c'est des. Ces couleurs. Donc, le pied est. On va dire bleu marine, voire noir. Bleu marine, voire noir. Bleu ciel. Donc, bleu marine. Bleu ciel et rose. L'autre. C'est le contraire, totalement le contraire. Le pied est rose et les carreaux sont bleu ciel et bleu marine. Je trouve trop trop belle, je kiffe. Donc voilà. Deuxième achat qu'elle a fait. Donc elle a payé 9,99 €, 95. C'est pour compléter, donc j'ai là avec tout ce que j'ai eu, j'ai complété tout mon matériel en chocolat ciel. Donc voilà, donc désolée, je vais mettre ma jupe. Donc, je un peu. Le deuxième article qu'elle m'a acheté, c'est un t-shirt, tout le monde le connaît. Donc voilà, pour aller avec mon pantalon. Sur une manche, il y a I love horse, puis il y a marqué Fuganza. C'est taille 14 ans. Attendez, avec mes cheveux, vous voyez pas trop bien. 14. Vous voyez pas trop bien en fait. Les brodures à l'intérieur sont choco. Brune. Sur l'autre manche, c'est Fuganza Horse Wedding Emotion. Donc voilà. Et là-dessus, c'est Horse Weather. Horse Weather. Donc voilà. Je vais l'essayer après, mais je vous mettrai pas tout à l'heure. Sur les boutons, je trouve ça trop chou. Les boutons sont trop trop chou. Il est marqué Fuganza avec un petit logo. Je trouve trop trop chou. Et le dessin devant, derrière il n'y a rien. Oui, sauf le logo de Fuganza. Et donc devant, c'est comme ceci. Donc je l'ai pris en clair parce que je ne savais plus comment il était mon pantalon bleu. Sur quoi bleu ciel. Mais je crois qu'il est ciel. Donc voilà. Ma mère l'a payé 14,95 €. Et c'est du 14 ans comme vous pouvez le voir. 151 à 160. Donc voilà. 14 ans. Je trouve ça trop trop beau, trop trop chou. Surtout les boutons, j'adore. Donc voilà. Et le troisième article, je suis trop contente parce que je voulais depuis longtemps, mais j'avais pas les moyens de me payer. Alors, c'est évidemment, je comprends ma série, le dernier. C'est évidemment le tapis. Donc. Il y a une marque ici qui est brave. On s'en verra pas.
J'aurais dû le taper. Bah, donc le tapis, il a assez. Il est souple, mais il a assez dur. Je trouve ça trop trop bien. Je sais pas s'il est en nid d'abeille. Vous pouvez me dire. Il y a une. À l'intérieur, il y a une ligne. Donc, c'est pas ça que la boutique, je sais pas comment on dit. Donc, le devant, il n'y a pas de truc pour tenir les sanglons. Il passe avec les sanglons. Il y a le passage de la sangle. Le devant, il est avec le petit logo. Et le derrière, il est avec le fou d'Elsa. Donc, voilà. Donc voilà, donc elle l'a payé 12,95 €. Je suis trop contente. Donc il y avait deux coloris. Soit au lieu du brun c'était du bleu et le bleu c'était du brun. Soit le coloris là. Moi j'ai préféré le coloris là. Enfin comme ça, enfin, je trouve que c'est mieux en couleur comme ça. Parce que comme ça à l'intérieur on voit moins les taches. Les taches ressortent moins que dans le bleu ciel. Donc voilà, je suis trop heureuse. Donc voilà, après je vous retrouve pour une autre vidéo. Je vais aller chercher tout mon bleu ciel. Comme ça vous aurez tout un point de vue sur mon équipement bleu ciel. Même mes brosses et tout. Et voilà. Et je suis trop contente. Ils sont trop bons. Ah, mon œil. Pleure pas, je me suis fait mal. Mon œil. Ne pleure pas, ne pleure pas, car je me maquille. Donc je me maquille toujours trop chaud. Demain je vais à la foire. Ah, ça revoit bien sûr. Donc voilà. Chaussettes, trop contente. J'avais déjà des autres chaussettes équipées à vraiment chocolat ciel. Je vais vous les présenter parce que celles-là font pas très très partie de mon équipement, mais je voulais quand même les prendre pour avoir des nouvelles chaussettes. Donc je suis trop contente. Je vous dis déjà que mon prochain équipement, ça sera vert pomme et mauve. Je suis trop contente parce que c'est super beau, mauve et jaune. Donc un pinceau, je vous dis tout en vitesse, une brosse à sabot. Et hop. Donc voilà, comme ça je vais ranger un peu ma boîte de pontage. Et je vous répète encore une fois pour bien vous saouler que ma boîte GB500, si vous avez vu l'autre vidéo, j'avais dit qu'elle était à vendre, mais elle n'est plus à vendre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!